Bonsoir et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la voie la plus simple que vous allez utiliser pour payer votre frais de Green Card en ligne. Alors, vite, vite, nous allons partir sur Google. Nous allons partir sur Google Chrome. Vous allez cliquer sur ça. Et voilà que la page est ouverte. Maintenant, vous allez taper, moi j'écris ici en anglais, Pay Immigration Fee. Et c'est venu déjà puisque, bon, je paye ça déjà aux gens, donc c'est ça qui est venu, comme ça. Et de là, vous allez descendre, vous allez voir, on a écrit USCIS, Immigration Fee. So, le paiement pour les frais d'immigration. Vous allez cliquer sur ça et ça va vous amener en même temps sur le site de l'immigration. Vous allez descendre, faire descendre, faire descendre, faire descendre et vous allez voir quelque part on a écrit suivant, NES, c'est ça. Vous cliquez sur ça et de suivant maintenant, on va vous amener et ici, on va vous parler des consignes. Et qui est autorisé à payer les frais d'immigration? Et la suite, vous allez voir quelque part à votre droite, votre main droite, on a écrit continuer. Vous allez cliquer sur ça et sur continuer maintenant, vous allez voir, on vous a donné les informations que vous allez faire entrer. Et dans ça, vous allez voir, on a écrit d'abord A number, A numéro. Alors, ça, on vous demandait de faire entrer le numéro et même ils vous ont donné l'exemple de type de numéro que vous allez faire entrer. Le numéro se trouve souvent sur votre passeport et c'est votre numéro d'enregistrement. Alors, vite, vite, je vais taper ça. Je vais taper le numéro. Et voilà. Tape le numéro, tape le numéro. Après cela, on va vous demander de faire entrer votre DOS Case ID. Et ça, c'est votre case number. Et ça aussi, ça se trouve sur votre passeport. Je vais faire entrer ça vite, vite et on va évoluer. Par exemple, vous allez voir ce numéro qui se trouve sur votre passeport. On a écrit case number. Et à la fin de ça, ils vont ajouter un 0, 1. C'est-à-dire à la fin de votre case number, là, on ajoute 0, 1. Ce numéro-là ne va pas vous servir dans le paiement. Si vous faites rentrer ça, on va voir, vous dire que votre information que vous venez de faire rentrer n'est pas correcte ou bien n'est pas retrouvée. Alors, je viens de faire rentrer ça. Et en bas, on va vous dire à votre gauche de continuer. Je continue. Et maintenant, on m'a dit que les données que je viens de faire entrer sont reçues avec succès. Alors, on me montrait le montant que je vais payer qui est 220. 220 dollars. Et maintenant, on me demande de faire entrer le email si je veux. Si je ne veux pas, je vais dire je ne veux pas. Et je vais faire entrer pour moi-même. On me demande de confirmer. Vous allez confirmer votre email. Maintenant, on demande le nom de la personne. Le nom d'abord, le prénom de la personne. Je vais taper le prénom de la personne d'abord. Le prénom de la personne. Après ça, après le prénom de la personne. Le nom de famille de la personne. Le nom de famille de la personne. Je viens de faire entrer ça. On me demande le pays. Le pays ici, c'est United. Et donc, United, on demande l'adresse de la personne. Vous allez faire rentrer l'adresse. Que vous irez pour vous résider aux États-Unis. Alors, on demande l'adresse.
l'adresse, ils ont écrit l'adresse numéro 1. Là, vous allez faire entrer. S'il y a le numéro plus le numéro de la rue, vous allez les taper. C'est ça, je suis en train de taper comme ça. Je viens de faire entrer ça. Et après, on vous demande adresse numéro 2. Au niveau de l'adresse numéro 2, vous allez faire entrer le numéro de l'appartement que vous allez rester dedans. Et ça, je viens de faire entrer. Si vous descendez maintenant, vous demandez CD. Alors, là-bas, la ville auquel vous allez rester, je vais faire entrer la ville ici. On demande l'état. C'est l'état ça. Et on demande le zip code. Voilà, c'est ça, il vient de faire entrer également. Maintenant, après que j'ai fait rentrer les données, on m'amène maintenant au niveau de processus de paiement. Voilà, processus de paiement ici. Je suis allé là-bas. Maintenant, on vous demande comment est-ce que vous voulez payer. Les informations du paiement. Vous voulez payer par banque ou bien vous voulez payer le montant par crédit card ou bien débit card. Alors moi je vais choisir ici et débit card. Et on va vous demander de continuer. Voilà, je continue comme ça. Et on amène les informations. Oui. Voilà, ils ont amené les informations. Mais c'est moi-même qui vais payer ça. Ils ont fait rentrer en même temps et les informations de la personne. Mais comme c'est moi qui vais payer pour la personne, je vais faire rentrer vite mon nom. Parce que c'est mon nom qui se trouve sur la carte de paiement. Après cela, on me demande l'adresse du paiement. Et l'adresse du paiement, c'est ça ici pour moi-même. Que je suis en train de faire rentrer et moi je suis à Louisville, Kentucky. Toutes mes informations sont déjà ici. On me demande maintenant de faire rentrer les informations de la banque. Alors je vais faire rentrer ça vite, vite. Ça comme ça. C'est ça, on va demander la date d'expiration de votre carte bancaire. L'année, vous allez faire entrer l'année. Et maintenant, on va demander la question de sécurité derrière votre carte bancaire. C'est ça, et je viens de faire entrer. Maintenant, après que j'ai fait entrer cela, je vais cliquer sur continuer. Et alors, on dit que quoi? C'est ça, les informations sur la personne qui va payer. Et c'est ça. Et on me demande d'accepter. Une fois que je clique sur la case ici, cela veut dire que j'ai accepté et que je vais continuer. Alors, je vais continuer en bas. Vous allez voir continuer. Et de continuer maintenant. Ils sont en train de vouloir valider cela. Et vous allez voir ici, on va me dire que quoi, mon paiement a été bien validé. Vous allez voir, le paiement a été bien validé et on me demande d'imprimer ça pour preuve. Alors je vais en même temps aller du côté de l'impression. Je vais imprimer, vous allez voir ici, on me dit d'imprimer, je lance l'impression et voilà, ça va sortir ici, impression, et voilà,
Ça continue comme ça. Voilà, on me demande d'imprimer et je lance l'impression. Et ça a pris. Et voilà, c'est fini. Alors, en quelque sorte, voilà comment est-ce que vous devez payer votre green card en ligne sans problème. Si vous aimez la vidéo, je vous demanderai de liker, partager avec les autres pour que eux puissent, même ils puissent désormais payer leurs frais d'immigration en ligne. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin et merci, on se voit à la prochaine vidéo.